l'inspiration principale pour cette musique, c'est de trouver une façon de me connecter à mon identité en tant que personne, mon identité culturelle et musicale, que la musique elle vienne pas de rien. Je suis à moitié anglais, j'ai une culture majoritairement anglaise. À Genève, c'est très très mélangé. Il n'y a pas vraiment de musique traditionnelle ici qui me parle. Je trouve ça très important pour avoir une musique forte, d'avoir de partir de quelque chose, d'avoir des racines musicales. Il y a Tom Brunt qui a repris plein de textes de William Blake, qui est un poète et peintre et d'autres choses sûrement anglais, et qui a beaucoup inspiré de groupes de musique avec ses poèmes qui ont des ambiances un peu psychédéliques. Alors Black Boy, c'est un pub qui date de 1712, qui se trouve en Angleterre, dans un village qui s'appelle Vivenhoe. Donc dans ce pub, devaient se rencontrer, je pense, des marins, même des pirates, ils disent, et puis sûrement des musiciens aussi, et puis des conteurs, des poètes. L'idée du groupe, déjà, des instruments que Tom a pensé de mettre dans le projet est très intéressante et c'est des instruments qui jouent parfaitement bien ensemble. Tom, avec lequel j'ai joué dans des autres projets, il m'a appelé pour faire partie de ce projet et j'ai pas hésité une seule seconde à lui dire oui. Ce qui est assez inspirant dans la musique de Tom, c'est son rapport à l'espace et aussi le rapport au texte poétique. Et pour moi, c'est une chose intéressante. J'ai pas très souvent travaillé avec une chanteuse ou un chanteur. Mais je pense aussi ce que demande Tom, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup de dynamiques très différentes, un peu de contraste. Et ça tombe bien, moi, j'aime bien m'occuper de ce genre de choses. Voilà. Il y a quand même une bonne partie de cette musique où on doit fondre nos sons avec les sons des autres. On veut souvent des ambiances très planantes où la musique tient à presque rien. Et c'est ça c'est très fragile, mais c'est très fort en même temps. Ces ambiances, moi ça me rappelle beaucoup la campagne anglaise, les écrits de William Blake, les trucs un peu mythologiques, comme ça, les ambiances de forêt. Avec ce groupe, on essaye d'amener vraiment une ambiance très fragile, très jazz européen, voire nordique. On s'inspire beaucoup d'artistes comme Tryggvesheim, Bobo Stenson. Sur l'espace d'un concert, c'est vraiment quelque chose qu'on veut s'asseoir pour écouter, pour vraiment se laisser emporter, se laisser faire évoquer toutes ces scènes, ces paysages, ces moments naturels.